Grand Dawson Tongdo, grand favori du main event face à Bobby Green, samedi lors de l'UFC Fight Night à Las Vegas, le combattant américain classé 10e dans la division des poids légers. Celle du français Benoît Saint-Denis et du champion Islam Makhachev a subi sa première défaite à l'UFC, sa deuxième en 23 combats professionnels. Et pas n'importe quel revers. Après seulement 30 secondes lors du premier round, Bobby Green, 37 ans, l'a fait vaciller sur une gauche terrible. Green veut remonter dans la cage en décembre. Une frappe, un bras arrière placé et il a réglé le problème, résume Taylor Lapillus sur RMC Sport 2. C'est dingue, ce sport est fou. Dawson s'est mis tout de suite en position latérale de sécurité. Il a pris un bras arrière venu d'ailleurs. Je pensais que je devais frapper avec la droite, a réagi Bobby Green après sa victoire. Le combattant américain n'a pas souhaité réclamer un adversaire en particulier pour son prochain combat. Je prends qui on me donne. Je veux juste une date, j'aimerais combattre en décembre, faire le show à Las Vegas, conclut-il.